Is it your first time to watch this channel? Kindly subscribe and don't forget to keep the notification bell on to not miss my next video. Like and share. Thank you. Salut les Vibers! Bienvenue dans la nouvelle rubrique de Apple Tips. Aujourd'hui, nous allons établir les points de différence entre les iPhones et les Android. Are you ready? Let's go! Vous avez donc décidé de vous procurer un smartphone? Et sûrement, je te demande lequel tu devrais choisir. Et tes amis te disent sûrement que le smartphone Android est mieux que le smartphone iPhone. Maintenant, tu es confus et tu ne sais pas lequel choisir. Il faudrait déjà que tu saches que les deux smartphones ont des avantages et des inconvénients. Et là, c'est évident que tu ne sais pas lequel te conviendrait le mieux. Aujourd'hui, nous allons t'aider à choisir la meilleure option pour tes besoins. Let's go! iOS utilise un écran d'accueil avec des icônes d'application, tandis que Android utilise un écran d'accueil plus personnalisable, avec des widgets et des dossiers. Certaines personnes préfèrent la simplicité d'iOS, tandis que d'autres trouvent les options de personnalisation Android plus attrayantes. Tout dépend de tes choix et de tes préférences. La boutique d'applications. Une autre grande différence entre iOS et Android est la boutique d'applications. iOS dispose de l'App Store, qui est étroitement contrôlé par Apple et offre un large éventail d'applications de haute qualité. Android dispose du Google Play Store qui offre un plus grand choix d'applications, mais aussi un pourcentage plus élevé d'applications de mauvaise qualité ou malveillantes. En outre, certains fabricants des téléphones Android disposent également de leur propre boutique d'applications, ce qui vous donne encore plus de possibilités. La fonction VPN. Bien que les deux systèmes d'exploitation disposent d'une fonction VPN intégrée, iOS offre une meilleure sécurité et une meilleure protection de la vie privée. Avec un VPN Mac ou iPhone, vous pouvez choisir d'utiliser le protocole IKVE2 ou IPSEC, qui est plus sûr que le protocole PPTP utilisé par Android. En outre, iOS vous donne la possibilité d'utiliser un serveur VPN géré par Apple, ce qui est plus sûr que d'utiliser un service VPN tiers. Certains utilisateurs choisissent également d'installer des applications VPN tiers provenant des sources tiers fiables. Cela peut également être une bonne option si vous avez besoin d'une confidentialité supplémentaire. La mise à jour. Si vous souhaitez bénéficier des dernières fonctionnalités et mise à jour de sécurité dès qu'elles sont disponibles, iOS est le meilleur choix. Comme Apple contrôle à la fois le matériel et le logiciel de l'iPhone, elle peut envoyer des mises à jour à tous les utilisateurs simultanément. Avec Android, les choses sont un peu plus compliquées. Google publie d'abord les mises à jour pour ses téléphones Pixel, publie leur propre version de la mise à jour, qui inclut souvent les fonctionnalités supplémentaires ou les bloatwares. Par conséquent, il peut s'écouler des mois avant que certains utilisateurs d'Android ne reçoivent pas la dernière mise à jour. La vie privée. iOS et Android ont des points positifs et négatifs en matière de confidentialité. Du côté positif, les deux systèmes d'exploitation ont fait des progrès ces dernières années pour améliorer les fonctions de confidentialité et donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données. Cependant, Android présente encore quelques failles de sécurité qui pourraient mettre vos données en danger. Et iOS a été critiqué pour collecter trop de données sur les utilisateurs. Maintenant, parlons de l'autonomie de la batterie. L'autonomie de la batterie est un élément important à prendre en compte pour tout smartphone. Et il existe des différences nettes entre iOS et Android dans ce domaine. En général, les iPhones ont tendance à avoir une meilleure autonomie que les téléphones Android.
Mais il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour améliorer l'autonomie de la batterie sur l'un ou l'autre type de téléphone. La sécurité. La sécurité est un autre élément important à prendre en compte lors du choix d'un système d'exploitation pour smartphone. iOS est généralement considéré comme plus sûr qu'Android, car il est plus difficile pour un logiciel malveillant d'infecter un iPhone. Les deux systèmes d'exploitation ont parcouru un long chemin en termes de sécurité et il existe des moyens de sécuriser davantage votre téléphone, quel que soit celui que vous choisissez. Qualité-prix. Enfin, le prix est un facteur à prendre en compte pour choisir entre le iPhone et l'Android. En général, les iPhones ont tendance à coûter plus cher. Il y a quelques raisons en fait pour lesquelles les iPhones sont plus chers que les Android. Apple contrôle à la fois le logiciel et le matériel de l'iPhone, ce qui lui permet d'offrir une expérience plus transparente et intégrée. Les iPhones sont généralement commercialisés en quantité limitée, ce qui fait grimper les prix. Enfin, Apple utilise des matériaux de meilleure qualité pour ses téléphones, ce qui contribue à leur prix plus élevé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi en commentaire quel téléphone te convient le mieux et depuis quel pays tu regardes cette vidéo. C'était Dorly sur les tips qui changent la vie. Bye bye!